Comment réduire naturellement l'acide urique? Des taux élevés d'acide urique dans le sang, également appelés hyperuricémie, peuvent résulter soit d'une augmentation de la production d'acide urique dans le corps, soit d'une diminution de l'excrétion de celui-ci par les reins. Cela peut également entraîner des problèmes tels que l'arthrite goutteuse, les calculs rénaux et l'insuffisance rénale. Les facteurs qui peuvent contribuer à un niveau élevé d'acide urique comprennent une alimentation riche en purines, les purines sont décomposées en acide urique, une consommation excessive d'alcool, une insuffisance rénale, l'obésité, une thyroïde sous-active, la génétique, le diabète, l'acidose et certaines autres maladies. Il existe quelques conseils et remèdes naturels qui peuvent aider à réduire et à contrôler les niveaux d'acide urique. 1. Vinaigre de cidre de pomme. En tant que nettoyant et détoxifiant naturel, le vinaigre de cidre de pomme peut aider à éliminer les déchets, comme l'acide urique du corps. Il contient de l'acide malique qui aide à décomposer et à éliminer l'acide urique. Ajoutez une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme cru, biologique et non pasteurisé à un verre d'eau. Buvez cette solution 2 ou 3 fois par jour. Vous pouvez augmenter progressivement la quantité de vinaigre de cidre de pomme jusqu'à 2 cuillères à soupe par verre d'eau et continuer ce remède jusqu'à ce que votre taux d'acide urique diminue. 2. Jus de citron. Bien qu'il puisse sembler que le jus de citron rendra le corps plus acide, en réalité, il produit un effet alcalin et aide à neutraliser l'acide urique. De plus, sa teneur en vitamine C aide également à réduire les niveaux d'acide urique. Pressez le jus d'un citron dans un verre d'eau tiède. Buvez-le le matin à jeûne. Continuez pendant au moins quelques semaines. 3. Cerises. Les cerises et les baies contiennent des produits chimiques qui aident à réduire les niveaux d'acide urique. Mangez une demi-tasse de cerises par jour pendant quelques semaines. Vous pouvez également boire 1 ou 2 tasses de jus de cerise acidulé pendant environ 4 semaines. Pour de meilleurs résultats, ajoutez des myrtilles, des fraises, des tomates et des poivrons à votre alimentation. 4. Bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est très bénéfique pour abaisser les niveaux d'acide urique et réduire la douleur de la goutte. Il aide à maintenir l'équilibre alcalin naturel dans le corps et rend l'acide urique plus soluble et plus facile à évacuer des reins. Mélangez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau. Buvez jusqu'à 4 verres de ce par jour pendant 2 semaines. Vous pouvez le boire toutes les 2 à 4 heures. Ne prenez pas ce remède régulièrement. Aussi, ne prenez pas ce remède si vous souffrez d'hypertension artérielle. Les personnes âgées de 60 ans ou plus ne doivent pas boire plus de 3 verres par jour. 5. Huile d'olive. La plupart des huiles végétales se transforment en graisses rances lorsqu'elles sont chauffées ou traitées. Les graisses rances détruisent la vitamine E vitale dans le corps, qui est essentielle pour contrôler les niveaux d'acide urique. Optez pour l'huile d'olive pressée à froid plutôt que d'utiliser de l'huile végétale ou du beurre. L'huile d'olive contient des graisses monoinsaturées, de la vitamine E et des antioxydants et a des avantages anti-inflammatoires. 6. Eau. Boire beaucoup d'eau permet d'optimiser la filtration de l'acide urique. Il aide à diluer l'acide urique et stimule les reins à éliminer les excès du corps par l'urine. Boire suffisamment d'eau régulièrement peut réduire le risque de crise de goutte récurrente. Incluez également plus de liquides et de fruits frais et riches en eau comme les pastèques, les fraises et les tomates, ainsi que des légumes comme le concombre, la laitue et le céleri dans votre alimentation. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un coup de pouce et partagez-la avec vos amis pour plus de recettes et de conseils. S'abonnez-vous à la chaîne.